Astérix et Obélix, une référence au coronavirus retrouvé dans un album amuse les internautes. Ah oui, en effet, il y a de quoi s'amuser. L'album d'Astérix et Obélix sorti en 2017 avait-il prédit l'épidémie meurtrière de coronavirus qui s'est abattue sur la Chine? Un compte Twitter parodique complotiste a soulevé la question avec humour dimanche dernier. Sur l'image partagée par le compte, on peut voir un extrait de la bande dessinée Astérix et la Transitalique de Jean-Yves Ferry et Didier Conrad. Dans cet album contemporain, les deux fidèles gaulois participent à une course de chars qui s'élance à travers l'Italie. Parmi les concurrents, Astérix Obélix, donc, mais aussi le redoutable coronavirus sur l'illustration partagée par le compte Complot Facile, on peut voir le public scander coronavirus, coronavirus, du nom du champion aux victoires. Effectivement, coronavirus. Et je l'ai lu en plus. C'est donc dans Astérix et Obélix, la Transitalique. Donc, dans cet album, Astérix et Obélix devront se démener pendant la compétition, les sbires de César ayant été missionnés pour leur mettre des bâtons dans les roues. La série animée Les Simpsons n'a donc plus le monopole de la prédiction catastrophe. Pour rappel, on attribue à la fiction de Matt Groening plusieurs intrigues prémonitoires, dont celle de l'apparition d'une épidémie étrangement similaire au nouveau coronavirus, à la différence près qu'elle est issue du Japon et non pas de Chine. Une autre théorie davantage tirée par les cheveux voit aussi une prédiction de la mort de Kobe Bryant, survenue brutalement le 26 janvier 2020 dans un passage du même épisode.